parti pour ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2011. Un départ un peu hésitant de Galikova qui revient dans la course. À l'extérieur vient Treasure Beach et sa toque blanche. Et c'est le numéro 9, Treasure Beach, qui est double lauréat de groupe 1 cette année, qui pourtant mène la charge, comptant deux longueurs d'avance maintenant devant Charetta, avec Testosterone qui est en troisième position. La descente abordée déjà par Treasure Beach, le numéro 9, qui mène un train assez soutenu, même très soutenu, suivi par Charetta, le numéro 13. Testosterone est ensuite aux côtés de Saint-Nicolas Sabek, avec côté corde devant Irino Damour. Avec Charetta qui a l'avantage d'Anna Dream qui tente de venir maintenant avec Irino Damour ainsi que Méandre ainsi que Sarafina qui tente de refaire du terrain alors que Saint-Nicolas Sabeille se défend toujours très bien côté corde. D'Anna Dream qui a l'avantage avec Saint-Nicolas Sabeille, Sarafina qui tente de refaire du terrain maintenant. D'Anna Dream qui pour l'Allemagne est le meilleur avec en deuxième position toujours Charetta alors que l'on refait du terrain avec Snowfield et c'est D'Anna Dream pour l'Allemagne qui va remporter le petit. Allez, le fait la tronche. C'est magnifique. Le fait la tronche. So, are you happy? I'm so happy! I'm so proud of her! It's a surprise! Amazing. It's so amazing! What do you have to tell now? Nothing! But I can't... It's not possible! It's not possible! Congratulations! Thanks! Peter? Do you remember Peter, vous vous souvenez quand vous étiez jockey de fouler cette piste? Eh bien oui, mais en fait je n'ai jamais eu la chance de monter cette course. Maintenant que je suis entraîneur, je gagne cette course. Et c'est beaucoup mieux. Vous êtes fier pour l'Allemagne? Ah oui, beaucoup. C'est très important.